Frédéric Machindano. Acteur, nous avons français lecture. La fois passée en français lecture, nous avions lu le texte intitulé « On ne va pas s'ennuyer ». On ne va pas s'ennuyer. Mais aujourd'hui, nous allons ouvrir encore notre livre « Les champions en français », page 23. Oui, nous allons ouvrir le livre de « Champions en français ». Page 23, il y a un texte intitulé Il faut déjà écrire. Il faut déjà écrire. Répétez, il faut déjà écrire. Déjà écrire. Je vais lire, puis vous aussi vous allez lire. Français lecture. Il faut déjà écrire. Yves, tu viens. Yves reconnaît la voix de Joseph. Il reconnaît aussi le bruit du ballon qui rebondit contre le mur. Yves aimerait bien venir, mais il a du travail. Il sort la tête par la fenêtre. Laisse-moi, il faut que je travaille. Mais qu'est-ce que tu fais? L'école est finie, il faut t'amuser. Non, je dois faire mon exercice de mathématiques d'abord. Après, je viendrai jouer avec toi. Yves prend son cahier. Dehors, le bruit du ballon recommence. Yves soupire. Peu après, Cathy entre dans la pièce. Où vas-tu? Yves ne répond pas. Il montre la rue avec les bras. Et ton travail? Je l'ai fait tout à l'heure. Mais la rédaction? Demande Cathy. Quelle rédaction? As-tu oublié le texte sur l'école? Yves, retourne s'asseoir. Moi, je viens de lire. Vous aussi, nous allons lire ensemble. N'est-ce pas ça, mon ami? Très bien, nous y allons. Français lecture, il faut déjà écrire. Yves, tu viens. Yves reconnaît la voix de Joseph. Il reconnaît aussi le bruit du ballon qui rebondit contre le mur. Yves aimerait bien venir, mais il a du travail. Il sort la tête par la fenêtre. Laisse-moi, il faut que je travaille. Mais qu'est-ce que tu fais? L'école est finie, il faut t'amuser. Non. Je dois faire mon exercice de mathématiques d'abord. Après, je viendrai jouer avec toi. Yves prend son cahier. Dehors, le bruit du ballon recommence. Yves soupire. Peu après, Cathy entre dans la pièce. Où vas-tu? Yves ne répond pas. Il montre la rue avec les bras. Et ton travail? Je le fais tout à l'heure. Même la rédaction? Cathy demande. Quelle rédaction? As-tu oublié le texte sur l'école? Yves retourne s'asseoir. Très bien, les amis. Je pense que je viens de lire. Vous aussi, vous venez de lire. Quels sont les personnages de notre texte? Si tu as lu avec moi, quels sont les personnages de ce texte? Les personnages de ce texte sont... Nous avons Monsieur Yves, nous avons Mademoiselle Cathy et l'ami de Yves qui s'appelle Joseph. Quelle est la première phrase de notre texte? Oui, c'est Yves, tu viens. Qui prononce cette phrase? Celui qui prononce cette phrase, ce monsieur Joseph. Alors les amis, qu'est-ce que vous allez faire à la maison? À la maison, chacun va lire trois fois le texte. Et il va me faire la synthèse de notre texte, ce qu'on nous parle dans ce texte.
C'est ça, les amis, ce que vous allez faire à la maison. Merci, les amis, de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer. Merci.